T'as pu l'enregistrement? Jai Ratha Madhava Kunja Bihari. Jai Ratha. Jai Ratha Madhava Kunja Bihari. Jai Ratha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Valabha Girivara Thari. Jai Gopi Jana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Jamuna Tira Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Shri Shri Radhapadi Sishwarati, Jaya Shri Shri Nitai Sakshi Sita, Dvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktori Vakhi, Jaya. Shishi Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Sishvarshan Chakri ki jai. Shishi Ratha Govinda ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuma Bharata Shatru Man Ayatya Dhamma ki jai. Shishi Gauranga Nitai Goshaya ki jai. Shishi Gaur Nitai ki jai. Tulasi Maharaj Bhakti Devi ki jai. Sarasvati Devi ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Tut Gulao Devas Assembly. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Nitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopeshe Gopike Kanta Radha Kanta Namostute Gaurangi Radhe Vrindavaneshwarim Vishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Shiv Devo. Nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous sommes à 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 29. Bhajantyatha tvam ata eva sathavo vyudastamaya guna vibramodayam Bhavat padanusmaranat rite satam nimittam adyant bhagavanna vidmahe. Traduction. Traduction. Les grands saints à jamais libérés adoptent ton service de dévotion, car c'est là le seul moyen de n'être plus victime des illusions de l'existence matérielle. Ô Seigneur, la seule raison pour laquelle ces âmes libérées cherchent refuge à tes pieds pareils au lotus est qu'elles méditent constamment sur eux. D'honneur et porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Les karmis se livrent généralement à des activités intéressées visant au bien-être du corps. Les jnanis, quant à eux, abordent cette voie car, ayant compris leur nature d'âme spirituelle, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien de commun avec l'univers matériel. Après avoir pris conscience de leur nature spirituelle, les jnanis, dont le savoir est parvenu à maturité, doivent s'abandonner aux pieds pareils au lotus du Seigneur, comme le déclare la Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante. La réalisation spirituelle demeure incomplète tant que l'être n'accède pas au niveau de la dévotion. Le Srimad Bhagavatam affirme donc que l'Atmarama, celui qui puise en lui-même sa satisfaction, est exempt de toute souillure infligée par les gunas. Tant que les influences de la nature matérielle, et plus particulièrement le Rajas et le Tamas, troubleront l'être, il sera rongé par la cupidité et la concupiscence et s'attellera à des tâches difficiles qui l'occuperont jour et nuit. Ce faux ego le fera perpétuellement passer d'une forme de vie à une autre, sans qu'il ne trouve jamais le moindre repos. Aussi, le jnani, ayant saisi cette vérité, cesse d'agir pour adopter le karma sannyasa. Toutefois, ce n'est pas à ce niveau que l'être connaît la véritable satisfaction. La sagesse matérielle du jnani, ayant pris conscience de son identité spirituelle, le conduit vers le refuge des pieds pareils au lotus du Seigneur. Sa seule satisfaction consistera alors à les contempler sans cesse.
Prithu Maharaj en conclut donc que les êtres libérés qui se sont engagés dans la voie de la dévotion ont atteint le but ultime de l'existence. Si la libération représentait la fin en elle-même, les âmes libérées n'auraient nul besoin d'adopter le service de dévotion. En d'autres termes, l'Atmananda, ou la félicité spirituelle née de la réalisation du soi, devient insignifiante en comparaison de l'extase que procure le service de dévotion offert aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Prithu Maharaj en déduit donc qu'il ne lui restait qu'à écouter parler constamment des gloires du Seigneur et à s'absorber ainsi dans la pensée de ses pieds pareils au lotus. Telle est certes la plus haute perfection de l'existence. Merci. Ce verset, les versets précédents et les versets suivants, ils tournent autour de des versets de la Bhagavad Gita où Seigneur Krishna dit quatre types des âmes, des personnes qui s'adressent à moi et ils s'engagent sur la voie de Sadhana Bhakti, sur la voie de poursuivre les principes de service dévotionnel. Souvent, nous ne comprenons pas que Sadhana Bhakti, ce n'est pas encore Bhakti. Car les choses, les actions, les actes que nous faisons dans Sadhana Bhakti, ils ont un autre motif et quand on fait ça dans le contexte de Bhakti, ils ont un autre motif. Comme par exemple, huile d'olive. Quelqu'un qui n'est pas malade, mais il a faim, il met sur sa salade, il met huile d'olive. Mais il n'est pas malade, c'est juste. Et là, huile d'olive, ça lui sert comme nourriture. Mais celui qui un problème de sa vésicule biliaire, par exemple, il boit huile d'olive parce qu'il est malade, il boit pour se débarrasser de ce problème. Donc, on ne peut pas dire que là, il boit de l'huile d'olive comme une nourriture. C'est deux choses différentes. Nous sommes censés toujours dire, oui, on fait service dévotionnel. Oui, parce que ça ressemble beaucoup à un service dévotionnel. Mais ça devient un service dévotionnel quand le motif devient celle de service dévotionnel. Pour cette raison, Krishna explique dans la Bhagavad Gita ces quatre raisons dans lesquelles un homme s'engage sur la voie de poursuivre, sur la voie de suivre les principes de service dévotionnel. Donc c'est long, toujours à répéter, mais parce qu'on enlève ça, suivre les principes et les règles, quand on enlève ça, on commence à penser que, ah oui, on fait service dévotionnel. Comme par exemple, à tout le monde, on dit bhakta, 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 bhakta. Mais en réalité, bhakta devient vraiment bhakta quand il est bhakta. Ça veut dire qu'il a un motif. Faire le bhakti, et ce motif, faire le bhakti, c'est le motif pour le bhakti et pas pour autre chose. Ce verset, vraiment explique en fait cette nuance que ceux qui sont libérés, libérés de cette prison matérielle, et ils comprennent que, en fait, ce n'est pas suffisant. Ils ne se trouvent pas une satisfaction. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire se libérer de ce monde matériel? Shri Prabhupada
détaille bien, par exemple, devenir quelqu'un qui est nirguna. Par exemple, les trois gunas ne vous influencent plus. Ou devenir atmarama, hein, celui qui est autosatisfait, c'est-à-dire il ne cherche plus rien au-delà de lui. Okay. etc. etc. Ou, par exemple, devenir un gyani personnaliste qui a atteint le niveau de la réalisation de soi, où il n'a aucun désir matériel dans ce monde. Mais en réalité, tout cela ne n'apporte pas une grande satisfaction à un être vivant. Il est satisfait partiellement, comme par exemple dans les quatre cas expliqués par Krishna dans la Bhagavad Gita. Par exemple, quand celui qui souffre, il vient vers Krishna pour se libérer de souffrance. Ça veut dire son motif n'est pas Krishna. Son motif, c'est la libération de sa souffrance. Ou quelqu'un d'autre qui vient vers Krishna, il vient pour trouver la gratification des sens. Krishna ne compte pas. C'est pas Krishna qui lui satisfait. En fait, en personne, il ne donne pas une satisfaction à ses désirs. Mais quand Krishna lui donne l'argent, lui donne, je ne sais pas, une jolie femme, de la nourriture, une voiture, etc., il est satisfait. C'est ça qui lui apporte le plaisir, et pas Krishna lui-même. Dans le cas de curiosité, en fait, c'est qu'on est déjà vu pas mal de choses, on s'ennuie, c'est pour ça que quand on entend quelque chose qu'on n'a jamais entendu, quelqu'un parle Krishna ou, je ne sais pas, Jiva ou quelque chose comme ça, Hare Krishna, il dit c'est quoi ça? C'est quoi Hare Krishna? Donc il veut satisfaire sa curiosité, mais ce n'est pas Krishna qui lui plaît. Vous comprenez? Parce que, avec par exemple, on lui propose la Bhagavad Gita dans la rue, oh, il dit par curiosité, ah, c'est intéressant, c'est quoi ça? Il prend. Et on pense que voilà, c'est quelqu'un très spirituel parce qu'il a pris la Bhagavad Gita. Non, parce que si vous lui proposez un autre livre sur, je ne sais pas, comment jeûner pour se débarrasser des parasites de l'intestin, il va dire, oh, c'est très intéressant ça aussi. Parce que son but, ce n'est pas Krishna, son but, c'est la curiosité. Ok? Peu importe hein, le livre que vous lui proposez, ou par exemple, quand on chante Hare Krishna Maha Mantra, il y a des filles et des garçons qui arrivent et qui commencent à danser avec nous. Nous sommes convaincus que voilà, ils sont déjà devenus des dévots, c'est des spirituels, c'est Vrindavan, c'est fini. Et après, quand on finit Kirtan, on avance. Deux rues après, on voit les mêmes gens qui dansent à côté d'un saxophoniste qui joue un truc complètement bidon. Oui. Donc, c'est parce que ce n'est pas Hare Krishna vraiment leur attire, c'est la danse qui l'attire, et pas vraiment Hare Krishna. Bien sûr que c'est mieux qu'il tombe sur Hare Krishna que sur autre chose. C'est évidemment, c'est comme ça. Mais je parle de côté de leur motivation. Ok. Et ici, dans ce verset, en réalité, Prithu Maharaj entame une conversation très profonde et très importante que nous devons comprendre, parce que souvent nous prenons des choses très très légères. Hein. Vous voyez, en fait, il dit que nous pouvons contourner la difficulté de karma, la difficulté de jnana, la difficulté d'austérité, tout ça, nous pouvons détourner en s'engageant dans le service dévotionnel. Mais pour s'engager dans le service dévotionnel, on doit connaître qu'est-ce que c'est ce service dévotionnel, qu'est-ce que c'est prakti. Okay. Nous,
quand on entend quelques mots de Bhakti, on lit une fois la Bhagavad Gita, tout de suite nous pensons que voilà, c'est fait, j'ai tout compris, tout marche bien. Non. Mais, et on n'avance plus parce qu'on a fait une conclusion avec peu de matière. Dans la tradition Vaishnava, dans la tradition spirituelle, c'est quelque chose de très dangereux. Faire des conclusions avec une petite connaissance. Quand on commence à faire une conclusion en se basant sur une petite connaissance, après ça apporte des fruits amers, des fruits graves, indésirables. Nous, on a eu ça au début quand on a commencé notre service dévotionnel, suivre le service dévotionnel, on a eu les mêmes fruits qu'on a après compris pourquoi, parce que nous, on n'avait pas quelqu'un à côté qui pouvait toujours nous enseigner, nous corriger, etc. Et sur une petite base de connaissances, nous avons fait des résumés, des conclusions, comme par exemple, on a entendu que l'âme se trouve dans le cœur d'un être vivant. On était convaincu que c'est ici, là. Et puis en lisant, en étudiant le Srimad Bhagavatam, on tombait sur tellement de choses que ça ne collait pas. On disait, mais c'est pas possible. Comment, si l'âme est là, pourquoi l'âme peut être là et là dans deux lieux différents? Et puis il n'y avait personne pour nous expliquer où en réalité se trouve l'âme. Vous comprenez? On faisait les conclusions rapides sur une peu de connaissances. Okay? Beaucoup, beaucoup de choses, par exemple sur Guru Tattva, sur Prema Tattva, etc. Sur plein de choses. Voilà pourquoi nous devons éviter de faire des conclusions rapides et prématurées sur une connaissance pauvre, très peu de connaissances. Hein? Souvent, par exemple, quand on parle de notre mouvement, on dit ça, c'est le mouvement de Harinam Sankirtan. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Harinam Sankirtan? On pense que seulement on doit distribuer les livres et chanter Hare Krishna, c'est suffisant. Si je dis non, ne pensez pas que je contredis à un Vaishnav, surtout à Sri Chaitanya Mahaprabhu, à Sri Prabhupada. Non, Sri Chaitanya Mahaprabhu personnellement a instruit Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Il a personnellement instruit, il a dit, vous devez aller à Vrindavan et écrire ces livres sur Bhakti. Il ne participait pas au Kirtana dans la rue, il ne faisait pas le Harinam tous les jours. Il s'occupait de ça. Il s'occupait de ça pour transmettre, transmettre la connaissance sur Bhakti. C'était vital. Sinon, je peux vous poser la question, pourquoi Sri Chaitanya Mahaprabhu a fait la peine pour tout expliquer ça? Pour quelle raison, si juste sortir, pas chanter Hare Krishna, c'est suffisant? Pourquoi il a insisté? Pourquoi? On dit, dans Kali Yuga, seulement le Saint Nom, c'est suffisant. Mais ok, si c'est suffisant, pourquoi ces gens-là, pourquoi Jiva Goswami a pris un énorme travail pour écrire des centaines de livres? Pourquoi il s'est donné la peine pour écrire tout ça, pour expliquer toutes les nuances de Bhakti, toutes les nuances de notre Siddhanta? Pourquoi il a fait? Est-ce qu'il était quelqu'un qui était un néophyte, Kanishtha Tikari? Il ne comprenait pas qu'il faut juste sortir et chanter, c'est tout, c'est suffisant, non? Hein? En fait, c'était pas mon... Le sujet avec lequel je suis venu, c'est dans ce verset et dans les teneurs et portées de Srila Prabhupada. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Bhakti, comment on peut faire Bhakti? Vous comprenez? Si on ne sait pas qu'est-ce que c'est tennis, comment on peut jouer tennis si on ne connaît pas ni règles, ni qu'est-ce que c'est comme jeu? On ne peut pas jouer, vous comprenez? Pareil, Bhakti, ça s'apprend. Il faut vraiment rentrer et comprendre qu'est-ce que c'est Bhakti. Sinon, on ne peut pas pratiquer. Ça sera juste
des mouvements mécaniques pour atteindre notre motivation de départ. Par exemple, je suis venu par curiosité, comme souvent des gens viennent ici. Vous avez vu, à Yoga Deri, il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité. Et une fois la curiosité satisfaite, ils partent parce que ça ne leur intéresse pas. Vous comprenez? Mais en effet, le plus important, c'est ceux qui sont déjà engagés sur le chemin de Bhakti, c'est ceux qui doivent comprendre qu'est-ce que c'est un Bhakti. Dans ce verset, je voulais venir avec mon livre, mais... dans ce verset, Prit Maharaj dit que quand on vient vers toi, ô Seigneur suprême, on n'a pas d'autre motivation que ne plus pouvoir ne plus penser à toi. Je ne sais pas si j'ai bien composé ma phrase, ça veut dire je ne peux plus ne pas penser à toi, où je ne pense qu'à toi et à rien d'autre, et je ne peux plus rien faire d'autre. Et c'est ça. Ce mot, hein, autre, hein, agna, c'est autre. En agna, il n'y a pas d'autre. Qui fait en fait une chaîne importante, une partie importante de la description de Bhakti. C'est très, très important. Et en effet, Prit Maharaj explique que Bhakti, le vrai Bhakti, commence là où la personne même nous attire. Krishna, la personne même, il nous attire. Et on n'a pas d'autre, comprenez, on n'a pas d'autre chose qui nous intéresse à part cela. Et c'est une nuance, c'est pour ça que le Bhakti est appelé Kevala. Kevala veut dire seulement. Kevala Bhakti veut dire seulement Bhakti. Ananya Bhakti, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chose à part Bhakti. C'est pour ça qu'on a Nitya Bhakti. Pourquoi on dit que Bhakti est Nitya? Parce que c'est non-stop, c'est constamment Bhakti. Ce n'est pas que 3 jours c'est Bhakti, 2 jours c'est vacances, 3 jours, je ne sais pas, autre chose, ouais. Et après de nouveau un jour Bhakti, et après on a marre, on fait autre chose. Non. Le Bhakti a une nature, et quand cette nature se manifeste, elle se manifeste sous ces formes-là. Okay? Bien sûr que, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est un processus graduel, petit à petit. Mais quand le chemin n'est pas correct, quand à la place de Bhakti, on a choisi Bhukti ou Mukti, un Bhukti, c'est la gratification des sens, et Mukti, c'est la libération de souffrance. Si on a choisi ça, on ne va jamais arriver à Bhakti. Hein? Vous comprenez? Par exemple, si je prends un train pour Marseille, hein, il ne va jamais arriver à Londres. Même si je suis content que je suis dans le train, et je suis convaincu que je vais à Londres, il ne va jamais y arriver, parce que c'est une autre direction. Pareil, nous pensons que quand on est dans Bhukti, on dit, c'est pas grave, petit à petit, la question n'est pas là, c'est qu'on peut devenir brusquement un dévot. Pas du tout. C'est la voie choisie et les efforts que nous faisons. On peut ne pas y arriver, on peut faire des fautes, on peut faire des apparatas, les offenses, etc., etc. On peut. C'est, pourquoi? Parce que notre nature n'est pas parfaite. C'est normal. Mais le plus important, qu'on a choisi le chemin correct. Okay? On a choisi le chemin correct et on croit à notre gourou qui,
qui nous mène sur ce chemin pour qu'on ne dévie pas. Parce que dévier de ce chemin, c'est très facile. Très, très facile. Souvent, nous pensons que, oh oui, moi, non, jamais. Oh, qu'est-ce que ça peut arriver pour que je dévie de mon chemin de pratique? Rien. Des fois, il suffit un petit truc, mais vraiment un petit truc. Je ne sais pas si vous avez tous lu, il y a une nouvelle de Léon Tolstoï qui s'appelle « Le Père Serge ». Là, il était vraiment quelqu'un très austère, il était vraiment très connu en haut de toute la gloire, se répandait, il faisait vraiment des trucs extraordinaires, etc. Mais il est tombé en quelques secondes. En plus, c'était une fille moche, handicapée, folle un peu, etc., qui l'a séduit en quelques secondes. Tandis que à l'époque, des très jolies femmes, etc., qui essayaient de le séduire, il a réussi de tout. Même il a coupé son doigt pour résister à la tentation, etc. Du coup, un petit truc, mais vraiment rien du tout, t'a fait tomber. Mais nous pensons, non, moi, c'est très facile. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas qu'est-ce que c'est bhakti, on a fait des conclusions rapides sur quelques poignées de connaissances, on est censé facilement tomber. Ce qui peut nous garder encore sur ce chemin, au départ, c'est Ruchi. C'est Ruchi qui peut nous garder, c'est le goût. Goût pour le chant de Hare Krishna Mahamantra, goût pour le Prasad, goût pour le Krishna Katha, goût pour Sangha, goût pour des études des écrits, etc. Nous avons ça. Si on disait que non, mais comment on peut comprendre Bhakti si on n'a pas de livres, on n'a pas de maître, on n'a pas d'acharya, on a. Vous voyez, en fait, Rupa Goswami et les autres acharyas, ils ont écrit ces livres pour nous protéger de Kali Yuga. La connaissance sur Bhakti va nous protéger parce que Bhakti peut prendre beaucoup d'autres formes qui n'a rien à voir avec Bhakti. La même chose, il y a 2000 ans, Jésus-Christ répétait à ses disciples exactement la même chose. Il a dit que ça peut se transformer très rapidement. Les gens vont venir, ils vont répéter exactement mes paroles, etc. Mais ce sera autre chose déjà. Dans Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada, dans plusieurs teneurs reportées, il nous prévient, il dit, quand on écoute Srimad Bhagavatam de la bouche d'un non-dévot, c'est de poison. Et pourtant, on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il lit Srimad Bhagavatam, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? On a bien expliqué ça la dernière fois, on a dit qu'en fait, parce qu'il va faire les accents là où il y a bhakti, où il y a mukti, mais pas bhakti, vous comprenez? Voilà pourquoi il prévient. Et des fois, il y a des services qu'on doit ne pas accepter par certaines personnes. Parce que si on accepte, après, ça va nuire, en fait, notre mouvement. Je ne veux pas donner des noms, mais le mouvement de Srila Prabhupada, de Hare Krishna, en France, était vraiment cassé à cause de cette moha, de ce faux concept, parce qu'on pensait que si on est dévot, on peut faire tout. Ou on peut faire quelque chose, mais pour un autre but. Par exemple, distribuer les livres, mais dans la tête, il y a une autre motivation, business ou la gloire, autre chose, et nous pensons que oui, mais le plus important, c'est qu'on ait les livres distribués, des tonnes et des tonnes qui partent. Mais après, ça nuit et après, ça se casse. On a eu ça partout, hein, dans, dans,
monde entier, dans notre mouvement. Pourquoi? Parce que extérieurement, ça ressemblait à Bhakti, mais intérieurement, c'était Upukti ou Mukti. Vous comprenez? Et au final, c'est s'écroulait. Et pourtant, tout était nickel. Il y avait les trottis, les tilaks, les satranas, tout était là-dedans, mais parce que la motivation était encore ou encore que ça grandissait. Parce que quand, par exemple, je viens chez vous dans votre mouvement à yoga lyrique et mon but, trouver une jolie femme, okay, vous ne devez pas m'aider à trouver une jolie femme. Non, pas du tout. Vous devez petit à petit me montrer que en fait, tu es venu pour autre chose. Vous comprenez? Mais si vous m'aidez pour trouver une jolie femme, je ne vais pas y rester. Je trouve une jolie femme et je pars. Vous comprenez? Le contraire, il ne faut pas que quelqu'un qui vient avec un motif autre de bhakti, on ne doit pas l'arroser, aider, vous comprenez? Parce qu'après, ça va diluer notre mouvement. Nous-mêmes, on va devenir comme ça. Nous-mêmes, on va devenir Pukti Mukti. Vous comprenez? C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on les soutient. On soutient cette motivation. Il ne faut pas. Ces quatre motivations ne doivent pas être soutenues. Quand quelqu'un arrive avec une de ces quatre motivations, on ne doit pas les soutenir. Hein? Voilà pourquoi Prithu Maharaj, ici, il est assez catégorique. Sinon, on pouvait dire, oui, mais tout le monde ne devient pas tout de suite un dévot, etc. Oui, mais la question, c'est le train. Quel train nous avons pris? Ok. Donc, dans ses commentaires, Srila Prabhupada parle de cette satisfaction ou de ce plaisir que nous apportent les différentes pratiques. Hein? Par exemple, Karmananda. Qu'est-ce que c'est Karmananda? En fait, c'est quand on rejouit des fruits de nos actes. Ça, c'est Karmananda. Okay. Il y a Brahmananda. Quand on jouit de Brahman impersonnel de Brahma Jyoti, de Brahmananda. Okay. Il y a Atmananda, quand on jouit de la réalisation de soi, quand j'ai compris qui je suis, etc. Mais Srila Prabhupada explique qu'en fait, ce genre d'ananda, ils ne peuvent pas nous amener quelque part définitif. Ça peut être une étape un peu plus haut, mais aucune de ces étapes n'est pas un terminus. Okay? Et même dans la vie de dévot, vous savez qu'il y a, Bhavananda et il y a Premananda. Donc, Bhavananda, c'est déjà un niveau qui fait goûter en fait les extases, les émotions qui viennent de relations avec Shri Krishna. En fait, ces relations, nous pouvons établir hein, quand nous sommes guidés correctement. Quand nous sommes guidés correctement, nous pouvons en fait avancer d'une façon correcte. Mais quand je viens et dis, en fait, je suis venu pour l'argent. Est-ce que Krishna peut me donner l'argent? On lui dit, oui, pourquoi pas, il peut donner. Et si je chante Hare Krishna Mantra, est-ce que Krishna va donner 5000 euros? On dit, oui, bien sûr. Ok, combien de tours? 16 tours par jour, tu chantes, et comme ça, Krishna va te donner l'argent. Et puis je commence à chanter, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient et dit, c'est pourquoi tu chantes? Il dit, quand tu chantes avec Krishna, ça donne l'argent. Ok, il commence, et du coup, en fait, ici, par exemple, on peut avoir 50 personnes, et imaginez qu'on reste seulement 10 qui chantent pour autre motif.
que les 40 autres, ils chantent pour obtenir l'argent. Okay? Et puis, quelqu'un ouvre la porte et dit, ben, en fait, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que c'est ici le mouvement spirituel? On dit, non, ici, c'est pour gagner de l'argent. Et puis il va écrire un article. Ben, en fait, j'ai vu les gens qui chantent avec Krishna pour obtenir l'argent, etc. Vous comprenez comment ça commence à... Nous pensons que c'est pas grave. On ne peut pas dire à chaque chose c'est pas grave. Parce que certaines choses, c'est pas grave, peuvent devenir graves. Okay. Pour cela, c'est important de s'occuper de quelqu'un personnellement, prendre soin de chaque personne qui vient. Regardez, Prithu Maharaj s'est engagé dans la voie de Bhakti. Krishna est venu personnellement pour s'occuper de lui. Personnellement, il est venu du monde spirituel pour s'occuper personnellement de lui. Vous comprenez ? Pour lui expliquer que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. En fait, quand on a parlé l'autre jour, c'est pour ça que Srila Prabhupada disait « Chacun entre vous doit devenir maître spirituel. » En fait, chacun entre nous peut devenir maître spirituel à son niveau. Par exemple, vous pouvez être un maître spirituel pour quelqu'un qui ne sait pas combien de tours il faut chanter par jour. Mais vous savez, 16. Okay? Donc, vous avez répondu à sa question. Mais s'il demande autre chose, vous ne pouvez plus être gourou pour lui. Par exemple, il dit, il demande, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a entre monde spirituel et monde matériel. Vous dites, je ne sais pas. Donc, vous ne pouvez pas être son gourou sur ce sujet. Mais vous lui avez répondu, vous êtes gourou pour ce niveau-là. Et quelqu'un d'autre peut expliquer cette question, répondre à cette question et dire, voilà, entre le monde spirituel et le monde matériel, il y a ça. Voilà, vous êtes gourou jusque-là. Moi, je raconte comme ça pour que vous compreniez. Okay. Et après, si on lui pose la question, quels sont les membres de Chaturvyuha, il dit, ben, je ne sais pas, stop. Lui, il ne peut plus être gourou. Parce que tout ce qu'il a, il peut être gourou pour ceux qui ne veulent pas savoir plus, vous comprenez? mais comme ça, en fait, nous avons besoin de toujours être à côté de quelqu'un qui peut nous guider. Okay? C'est pour ça que dans Chaitanya Charitamrita, dans plusieurs épisodes, les Vaishnavas disent les gurus, en plusieurs pluriel. Toujours les gourous. Pourquoi? Parce que chaque fois, on peut arriver à une situation où on n'a pas cette réponse sur laquelle on est coincé. Vous comprenez? Parce que toujours quand il y a une question, quand cette question devient de plus en plus dure, de plus en plus prenant, ça devient un obstacle pour service dévotionnel. Et vous imaginez, vous allez voir Guru et vous posez cette question, il dit, bon, ne casse pas la tête, chante Hare Krishna, maman, là, c'est suffisant. De toute façon, c'est Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam. Oui, vous allez chanter, mais ça va tourner tout le temps, ça va tourner. Imaginez que quelqu'un arrive voir Raghunath Das Goswami, il lui pose question, il dit, bon, c'est pas grave, ne te pose pas la tête, tu chantes juste Hare Krishna et c'est suffisant. Non. Ça, on peut dire à quelqu'un qui n'a pas de question. Mais Guru, c'est son devoir, c'est sa nature, il doit répondre à ces questions. Sinon, il n'est pas gourou. Ou il est gourou jusqu'à un certain niveau, c'est tout. Vous comprenez? Parce que la vraie fonction de gourou, c'est aider son disciple de s'engager dans le service dévotionnel, comprendre le service dévotionnel et apprendre le service dévotionnel. Vous comprenez? Krishna est venu voir Prithu Maharaj parce que
Il a vu que Prithu Maharaj est plein de questions. Il y avait des questions qui pouvaient lui empêcher de progresser spirituellement. Et vous avez vu qu'est-ce que c'était. En fait, c'était arrivé à tel point qu'ils étaient même d'accord pour que les brahmanas amènent Indra et ils brûlent dans le feu de sacrifice. Ça, c'était un impasse. Ça, c'était un impasse spirituel. Okay? Et imaginez, Guru vient et dit, Prithu Maharaj, c'est pas grave. Brûler, mais le plus important que tu chantes la Krishna. Vous comprenez? Personnellement, Brahma, il est considéré comme Jagat Guru aussi. Brahma, il est Jagat Guru. Personnellement, il est descendu. Il est descendu pour arrêter en fait cette faute. Parce qu'il a vu que Prithu Maharaj est en train de faire une erreur grave. Okay? Mais ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant parce que Prithu Maharaj, encore dans sa tête, même après l'arrivée de Brahma, Prithu Maharaj, dans sa tête, il avait un mauvais sentiment envers Indra. Et pour ça, Seigneur Vishnu personnellement est venu pour régler cette question qui est traînée dans le cœur de Prithu Maharaj. Et si vous vous souvenez, dans les versets précédents, Maitreya Muni explique, il dit qu'il a embrassé Indra, Prithu Maharaj a pris dans ses bras Indra, il l'a serré et il a senti qu'il n'y a plus rien dans son cœur, plus mauvais dans son cœur. Okay? Ça, c'est un processus très important qu'on suit, parce que Bhakti, ce n'est pas quelque chose de gratuit, ce n'est pas un pastime, c'est un engagement très difficile, très long, et si on ne donne pas tout, Bhakti ne viendra pas. Si on garde quelque chose pour nous, Bhakti ne viendra pas. Jésus-Christ parlait de ça aussi dans les évangiles. Il disait que le royaume du ciel, est très cher. Et en fait, pour l'obtenir, un marchand, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter en fait cette perle. En fait, il dit que le royaume du ciel, c'est une perle. Et pour acheter cette perle, pour obtenir cette perle, cette perle, ce marchand, il a vendu tout ce qu'il avait pour l'obtenir. Tout. Ou, Jésus dit un autre exemple que j'aime beaucoup aussi. Il disait, essayez de passer par la porte la plus étroite. Ça veut dire, on ne peut rien y apporter. Que bhakti. Si vous prenez quelque chose en passant, ça va vous bloquer. Votre ordinateur, votre mari, votre les casseroles, autre. Tous nos attachements, en fait, nous ne pouvons pas passer par ça. C'est pour ça que c'est kevala et c'est ananya. Vous comprenez? Je sais que ce n'est pas facile, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est tout dépend. Quelle voie nous avons choisi? Quelle voie? Et cette voie, en fait, est dure. Je ne peux pas dire des fois, ah, service dévotionnel, c'est très très facile. Et après, quelques versets après, dit, finalement, la vie spirituelle est très dure. Mais en tout cas, sachez, très important, ne pas faire les conclusions rapides sur peu de connaissances pour comprendre est-ce que nous sommes, on n'est pas dévié de vrai bhakti. Il faut qu'on étudie les livres sacrés de Nova Acharya Vaishnava qui ont été écrits par l'instruction de Sri Chaitanya Mahaprabhu. C'est Sri Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé qu'il écrive, et Jiva Goswami il les a commentés. Ils ont recopié tout ça et ils ont envoyé en Navadvip pour que tout le monde puisse les étudier.
Avant que ces livres arrivent à Navadvip, Sri Chaitanya Mahaprabhu personnellement a demandé à Nityananda Prabhu d'aller et faire le Harinam à Navadvip, de chanter. Mais après, il a dit, vous devez envoyer un deuxième, vous devez envoyer les livres. C'est très important. Sinon, ils disent, mais pourquoi? Parce qu'ils sont déjà là, ils chantent déjà. Pourquoi ces livres-là, hein? Vous vous souvenez de l'histoire quand le livre était perdu, quand Krishna Vasa, volé par le roi. Oui. C'est une très belle histoire. Oui. Quand Krishnadas Kaviraj Goswami il a entendu que ce livre était volé, il roulait par terre, comme ça. Il disait, Seigneur, je ne te comprends pas. Seigneur, je ne te comprends plus. Pourquoi? Il était vraiment... Il était choqué parce que c'était un plus grand trésor de ce moment. Le plus grand trésor, le plus important, le plus cher était là. Et tout le monde pleurait à Vrindavan quand ils ont entendu que ces livres sont perdus. Parce que c'était vraiment quelque chose, un trésor inestimable. Bref. Ok. Hare Krishna. Je vais m'arrêter là si vous avez des questions, des commentaires. Si quelqu'un d'autre avait le temps. Non, je n'ai pas une question, c'est juste. Par exemple, je me disais, pour les gens, on dit Harirnam, et Kevalam, mais on peut imaginer qu'il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup la philosophie, qui ne sont pas très attirés par la lecture des livres et ça entre pas. Donc, dans ce cas-là, c'est pour vous, par exemple, vous aviez déjà dit une fois dans la conférence, ça dépend des gens et c'est selon les catégories des gens. Pour un gourou, toi tu sens, toi tu penses que le prasad, toi tu lis les livres. Et dans ce cas-là, s'ils n'arrivent pas vers la philosophie, le Harinam, santé dans la lune, santé, ça marche. En effet, Srila Prabhupada était très strict à ce point-là. Quand ses disciples ils sortaient chanter, quand il distribuait ses livres, quand il revenait, il les faisait s'asseoir et il faisait une conférence. Tout le monde. C'était pas comme ça. Oui, tu sais, je ne crois pas, je suis stupide, là ça ne me concerne pas. Non, tout le monde devait être présent et écouter Srila Prabhupada. Tout le monde. Il grondait ses disciples, il disait, pourquoi j'ai écrit ces livres? Pour qui j'ai écrit? Mais ses disciples pouvaient dire, ah, tu sais, je ne suis pas de même stupide, allez, non, c'est suffisant. Non. Sri Chaitanya Mahaprabhu, si c'était comme ça, pourquoi il a donné ces instructions pour qu'ils écrivent les livres sur Bhakti et pour que les autres lisent? Pourquoi? Mais ça ne veut pas dire que le Saint Nom n'a pas de puissance. Justement, il est tellement puissant qu'il nous amène vers Krishna Katha, qui nous amène au service dévotionnel. Il y a des gens qui ne sont pas, par exemple, qui ne savent pas lire. Et dans ce cas-là, ce qui est conseillé, c'est écouter. Oui. Même s'ils ne peuvent pas lire, écouter, c'est comme si on lisait. Oui. Donc, il n'y a pas de différence. Oui. On ne lit pas de différence. Non, en fait, ça c'est quelque chose qu'on souvent on ne comprend pas. Nous essayons d'isoler le Saint Nom d'autres qualités de Krishna. Nous pensons que Saint Nom, il existe d'une façon séparée de tout le reste. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire Krishna? Tout est différent. Voilà. En fait, quand tu dis Krishna, c'est pas le Saint Nom que tu chantes. Tu glorifies les qualités de Krishna. Ce n'est pas le Saint Nom, c'est les qualités de Krishna. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire infiniment attirant? C'est quand il marche et tous les gopis le regardent comme ça. Wow. Elle tombe amoureuse. Qu'est-ce que c'est tomber amoureuse?
de Krishna. C'est Lila. C'est le divertissement. Donc, quand on dit Krishna, on ne chante pas le Saint-Nom. On raconte le Srimad Bhagavata. Quand on dit Krishna, hein, c'est qui Krishna? C'est le fils de Mananda Maharaj. C'est le prince de Vrindavan. Et c'est son demeure. Vrindavan, c'est son demeure. Krishna n'est pas différent de Vrindavan. Donc, quand on dit Krishna, aussi on glorifie, pas son nom, mais aussi on glorifie de son demeure. Et quand on dit Hare Krishna, Hare Krishna, quel Krishna correspond à quoi? Tu peux dire ce Krishna en fait concerne la demeure, ce Krishna concerne les qualités, ce Krishna concerne les divertissements, ce Krishna concerne les qualités, etc. Comment on peut distinguer? Il ne faut pas séparer le Saint-Nom de tout reste. C'est, on ne peut pas séparer. Comme nous ne pouvons pas séparer le blancheur de lait du lait, on ne peut pas séparer. Pareil, nous ne pouvons pas séparer le Saint-Nom de qualité, les qualités de divertissement, le divertissement de demeure. On ne peut pas séparer, c'est impossible. Sauf que le Saint-Nom, comme tu as bien dit, dans cette situation de Kali Yuga, il marche plus facilement. Pourquoi? Parce que même les perroquets peuvent répéter Hare Krishna. Okay? Mais les perroquets pouvaient répéter Hare Krishna aussi en Satya Yuga. C'est pas, okay? Et ce n'est pas comme ça que le Saint-Nom n'existait pas à Satya Yuga, il est apparu en Kali Yuga. Vous comprenez? Sauf que c'est facile. Quand, par exemple, il y a des élèves qui sont très intelligents et le professeur pour mettre une note, il pose des questions difficiles, compliquées, etc. etc. Et il répond, après il dit, ok, donne une note, je ne sais pas, 16 sur 20. Okay. Et après, il y a un élève qui ne connaît rien du tout, très très faible, mais... Il aime beaucoup, le maître l'aime beaucoup, il dit, ok, réponds-moi quelque chose simple. Deux fois deux, c'est quoi? Et il dit, ben, je vais réfléchir. Réfléchis, prends ton temps, il n'y a pas de problème. Il dit, 4. Voilà, c'est très bien. Donc, 11 sur 20. Voilà. Ça, c'est nous. Parce que, en fait, le Saint-Nom est quelque chose de plus accessible. Mais, ça ne veut pas dire qu'il est plus important et il est mieux. Non. Parce que si on dit comme ça, on fait une offense grave à tout le reste de Krishna. Ça veut dire qu'on offense son entourage, on offense ses qualités, on offense sa beauté, on offense tout. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Saint-Nom est absolu et tout le reste n'est pas absolu. C'est comme ça? Mais malheureusement... Une certaine de... Quand on sait que certains dévots, comment ils pensent, ben, c'est comme ça. Ben, justement, cette conférence, grâce à par la miséricorde de Prithu Maharaj, nous a aidé à comprendre qu'en fait, nous devons faire très attention, ne pas aller avec une hache comme ça. Haribol, haribol, haribol. Vous comprenez? Il faut comprendre les nuances. Il faut comprendre les nuances, certaines choses. Pourquoi c'est dit comme ça? Pourquoi c'est... comme ça ou comme ça. Par exemple, là, récemment, pendant nos darshan, les dévots ont posé une question assez intéressante. Ils ont amené une partie de la conversation de Srila Prabhupada avec ses disciples, où ses disciples... On posait la question, quand on offre à manger à Krishna, est-ce qu'on a le droit d'offrir à Krishna ou on d'abord offre à notre maître spirituel et après à Krishna? Je ne pourrais pas dire, vous offrez à moi j'offre à mon maître spirituel, il offre à son maître spirituel, etc. etc. Okay? Donc, et après les dévots font une conclusion. Ils disent, donc, nous ne pouvons pas servir Krishna hein,
directement. On doit absolument passer par notre maître spirituel. Ok ? J'ai dit, ok, maintenant on va voir si vous avez fait cette conclusion. Gajendra, vous connaissez cette histoire de Gajendra. Imaginez Gajendra, il est là, avec le truc, et puis Seigneur Kshirodakasha et Vishnu arrive, il dit, attends. Il arrache le lotus, il dit, il offre à son maître spirituel, et après, c'était direct, et dès qu'il a vu Krishna, il l'a arraché, il l'a donné. N'est-ce pas? Oui. Je peux vous donner plein d'exemples, mais c'est trop tard. Ou le service est direct. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas chanter Hare Krishna mantra à travers votre maître spirituel. Vous ne pouvez pas lui votre... Non. Quand vous dites Krishna, vous vous adressez directement. Quand vous dites Rama, vous vous adressez direct. Mais ça ne veut pas dire alors quel est juste, l'un ou l'autre, les deux. Les deux sont corrects. Le dévot qualifié, il doit savoir dans quelles circonstances, quelle version appliquer. Et pas, c'est pas comme ça. Dans la vie spirituelle, c'est pas comme ça. S'il y a quelque chose qui est correct, ça ne veut pas dire l'autre c'est incorrect. Les deux peuvent être corrects et les deux peuvent être incorrects. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, ne faites pas des conclusions rapidement juste parce que vous avez entendu ça. Parce que si vous avez... Mais Prabhupada a dit ça, mais il a dit ça aussi. Mais parce que vous n'avez pas lu ça, et dès que quelqu'un dit ça, vous dites, non, Prabhupada a dit ça, c'est fini. Vous comprenez? Ce n'est pas aussi facile, la vie spirituelle, si vous le prenez au sérieux. Il y a tellement de nuances dedans, il y a tellement de entre guillemets, contradictions, etc., pour un disciple qui est sérieux, qui veut vraiment comprendre Bhakti, il doit prendre vraiment patience et petit à petit, morceau par morceau, avancer comme ça. Srila Prabhupada dit, nous ne pouvons pas comprendre et pratiquer Bhakti si on n'étudie pas Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est les paroles de Prabhupada. J'ai entendu des néophytes, moi je n'étais pas d'accord, mais comme les néophytes, ils pensent, parce qu'ils sont enseignés comme ça, ils pensent que Hare Ram, c'est pour Kali Yuga, la philosophie, le Saint-Nom, c'est plus important que la Sri, écouter la Sri Bhagavad Gita, mais sachez, même la personne qui n'est pas très très intelligente, etc., quand il arrive, il s'assoit, il fait des efforts, absolument, il avance. Peut-être pas tout de suite, mais ça se voit plus tard, parce que c'est une façon d'éducation. Vous savez que l'éducation, c'est quelque chose dont les fruits viennent tardivement, très très tardivement. Hein. Voilà, par exemple, Atmarama. On lui disait, quand il était petit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et on pensait que c'est inutile. On dit chaque mais on continuait parce qu'on ne pouvait pas accepter que notre fils soit mauvais. On se battait. Et un jour, la maman de son copain est venue manger chez nous. Et puis elle disait, ah, votre fils, il est tellement gentil. Il fait ça. En fait, tout ce qu'on lui apprenait, à la maison, il ne montrait jamais. Mais quelques années plus tard, il le montrait chez les autres. Donc ça, les fruits viennent tardivement. Ne pensez pas que c'est... Vous connaissez cet épisode quand Srila Prabhupada était en train de donner la conférence. Et puis, pendant la conférence, il y avait un disciple qui l'écoutait comme ça, attentivement. Mm-hmm. Et puis Srila Prabhupada a arrêté sa conférence. Dit, est-ce que tu comprends ce que je dis? Il dit, non, Prabhupada. Mais est-ce que tu veux bien comprendre? Il dit, oui, Prabhupada. Ça, c'est le plus important. Et à continuer, c'est vouloir comprendre. Plus important que comprendre. Parce que quand tu veux, maître spirituel va donner sa miséricorde à travers laquelle tu vas comprendre. Srila Prabhupada, Prithu Maharaj, Maitreya Muni, Vidura, tous les personnages qui sont dans cette conversation, ils vont te donner ces miséricordes, tu vas comprendre. Mais quand tu dis, ouais, ça c'est pas moi, c'est trop compliqué, etc.,
Tu vas te cacher de miséricorde et tu ne vas jamais comprendre. Quand on a parlé de d'offenses de Saint-Nom, les 10 offenses, il y a 33 ans, je ne comprenais rien. Qu'est-ce que c'est ces 10 offenses? Comment on peut offenser le Saint-Nom? Je disais, je comprenais rien. Pourquoi c'est offense? C'est pas une offense, c'est quelque chose, mais pourquoi le Saint-Nom? Comment le Saint-Nom est offensé par ça? Je comprenais pas. Voyez? Mais fait de continuer à écouter, lire, chaque fois, dès que je trouvais une référence quelque part, je me rapportais sur ça. Je disais, ah, finalement, là, dans Bhakti Rasamrita, il a dit ça, donc j'ai trouvé ça ici, je comparais, je dis, parce que je voulais comprendre. Quand on veut. Parce que Bhakti est basé sur quoi? Sur le désir d'avoir Bhakti. C'est sur le désir et pas sur l'autre chose. Ni notre force, ni notre intelligence, ni notre austérité, rien. Juste vouloir. Juste vouloir, c'est ça qui compte. C'est tellement fort que tu n'arrives pas à te battre, mais tu es juste un désespoir. En état de désespoir. Et il y a des moments où littéralement ça te prend complètement et tu oublies Krishna, tu oublies une partie, et après tu le reprends petit à petit et ça prend vraiment énormément de temps. Est-ce que c'est le même principe qui marche, que c'est important de garder ce désir de vouloir pratiquer que la bhakti malgré tout? C'est une très bonne question. En fait, pour maintenir ce désir d'avoir bhakti, il faut toujours être à côté de quelqu'un qui a bhakti. Parce que sinon, ça refroidit. Là, je peux vous assurer 100%. Dès qu'on se trouve dans un contexte où il n'y a pas de bhakti, quand je dis prakta, ce n'est pas celui qui pratique, mais celui qui a prakti, qui peut inspirer tout de suite, mais inspirer pour prakti, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui va nous inspirer pour bhakti. C'est aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est un prakti. Il dit oui, vas-y, ça ce n'est pas interdit. Oui, ça ce n'est pas interdit, ça aussi ce n'est pas interdit. Tu peux, ça ce n'est pas interdit aussi, oui, vas-y. Mais en fait, quand on rencontre, ou en fait on se trouve dans une association à côté d'un prakta, en fait c'est toujours inspirant. C'est toujours inspirant, surtout quand on veut faire plaisir à cette personne. Faire plaisir à ce prakta, c'est pas forcément lui offrir un dictaphone ou laver ses chaussures, etc. Non. Parce qu'en fait, par exemple, je vois que Jiva, il distribue les livres. Okay? En fait, c'est son service, c'est ce qu'il veut pour que Krishna soit satisfait. En fait, je vais voir comment je peux lui servir pour qu'il distribue mieux. Par exemple, je peux réparer son caddie, ou je peux aussi aller porter ses livres, ou, je ne sais pas, préparer le prasad pour qui, et lui donner pour qu'il aille distribuer. Mais pas penser, voilà, juste un truc, il a 150 sacs de japa et je vais donner 151e sac de japa. Mais par exemple, c'est le jour d'anniversaire de Vyasa Puja, de maître spirituel, et tout le monde apporte ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Mais vous imaginez, vous venez, et puis votre maître spirituel rêvait, je ne sais pas, ouvrir un centre de prédication à Marseille. Et puis vous venez, vous dites, Guru Maharaj, voilà la clé de ce centre. Ça, c'est un cadeau.
n'est pas « Oh, votre pied, vos pieds pareils au lotus, je ne sais pas, ça va rien. » Si on veut vraiment satisfaire mes spirituels, il faut faire quelque chose où il n'arrive pas à faire tout seul. Gilles Prabhupada disait « Sans vous, je ne pouvais pas aboutir. C'est grâce à vos efforts que j'ai pu aboutir. » Ça veut dire son but était de répandre la conscience Krishna. Et quand ses disciples répandaient la conscience Krishna partout, il était très content. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas content quand on lui apportait un chada. Non, ce n'est pas ça. Mais le plus important, c'était quand Gilles Prabhupada voyait qu'en fait, les disciples participent à sa mission, aident à accomplir cette mission. Et pas juste faire un truc pour que tout le monde voit que moi, j'ai donné à Maharaj, je ne sais pas quoi, je suis à côté de Maharaj. Je comprends. Mais d'autre côté aussi, en fait, je ne sais pas, c'est mon expérience. Je ne veux pas dire que vous devez faire pareil, c'est mon expérience. Quand je suis très, très attaché à quelque chose, tu vois, et je dis, oh, si je n'ai pas ça, je vais mourir. Je dis, ok, je vais voir comment je meurs. Je ne vais pas prendre ça. Et je vais voir comment. Allez, vas-y, meurs. Meurs, vas-y. C'est mon expérience, c'est ma façon d'être. Je ne peux pas vous conseiller, mais je vous dis que moi, je fais comme ça. Je suis quelqu'un qui expérimente sur lui-même, et souvent quand je suis très, très attaché à toi. Par exemple, je passe et il y a un chien à quatre têtes qui passe. Je dis, non, tu ne vas pas regarder ça. Je dis, mais c'est une fois par 3 ans que je suis pas sûr. Trois vies que tu peux voir un chien à quatre têtes. Regarde. Je dis, non, mais tu vas mourir. Je dis, oui. Je vais voir comment je meurs. Allez, vas-y, meurs. Et tu vois que tu ne meurs pas. Tu vois? Et ça, en fait, c'est plus cool que la chose à laquelle on est attaché. On va mourir alors. Qu'est-ce qu'on est ce corps? Non? C'est cet attachement, en fait, qui nous empêche d'avancer. La nature des attachements, ça peut être karmique, c'est asservi ou c'est juste c'est gratifié ou de défendre ta personnalité. Non, comment on a des dettes, des asservi. En réalité, l'attachement, c'est le désir de gratifier les sens. Même quand on dit ça, ça vient de karma, etc. Pourquoi? Parce que on avait ce désir de gratifier nos sens. Et c'est à rapporter dans notre vie prochaine, dans notre troisième vie. C'est le même désir de gratification qui est rapporté. Imaginez que vous êtes attaché à Krishna. Juste par rapport à la question de Sudevi, tu veux bien un peu plus de détails, par exemple, Sudevi, elle disait, oui, pour quelque chose de la philosophie, par exemple, vous avez donné l'exemple de Srila Prabhupada et ce dévot qui avait désir de comprendre. Mais par exemple, comme celui du désir, on a beaucoup de désirs, et en même temps, on veut professer, mais c'est tous ces désirs qu'on n'arrive pas, et au bout d'un moment, on arrive à culpabiliser nous, parce que oui, moi je suis trop nul, parce que je n'arrive pas à abandonner cette idée, parce que je suis trop attaché. Mais on a ce désir d'avancer. Donc, par exemple, est-ce que ça fait le même effet pour vouloir comprendre le Gurudev et le vers la miséricorde? Et là, on peut aller vers Krishna, mais beaucoup de désirs nous empêchent. Priyaranija, quand on a ces attachements, tiens, on est tellement attaché qu'on avance comme ça. Krishna dit lâche! Non, Krishna. Et on continue à aller quand même, c'est bien. Mais quand on s'arrête, il dit Krishna, je ne peux pas avancer parce que je suis très attaché. Excuse-moi, tout le monde ne peut pas être comme Vastakur. Comme ça. Peut-être dans la vie suivante. Non. Vous comprenez?
c'est comme ça, parce que en fait, c'est peur. Il y a un truc à laquelle on est très attaché, mais nous ne nous pardonnons pas. On ne dit pas, bon, je ne peux rien, c'est pas nature. Non, c'est faux. Notre nature, c'est Satchitananda. Ce n'est pas un attachement aux cigarettes ou à chocolat ou autre. Hein? Où c'est écrit que c'est notre nature, être attaché à tel ou tel. Non, notre véritable nature, c'est Satchitananda. Donc, ce n'est pas ma nature, c'est juste un attachement de ce corps. Ok, je vais battre, je vais combattre jusqu'au dernier goutte de mon sang, mais je continuerai. Même si dernier, je respire et c'était, je ne sais pas, mon dernier chocolat que j'ai mangé devant mourir, je dis, Krishna, excuse s'il te plaît, je ne peux pas, mais excuse-moi, s'il te plaît, excuse-moi, et je meurs. C'est très bien, parce que je pensais à Krishna au moment de mourir, même avec le chocolat, mais vous comprenez? Mais quand j'ai dit, bon, de toute façon, le chocolat, c'est ma nature, c'est comme ça, voilà. Et tu oublies Krishna et tu manges. Là, c'est bien. Vous comprenez? Dès qu'on s'arrête, dès qu'on dit, bon, ça va, nous ne sommes pas égaux, il y a des efforts, l'austérité n'est pas pour tout le monde, surtout il y a des femmes qui disent, oh, pour les femmes, ce n'est pas bien les austérités. J'ai entendu dans une conférence que les femmes, quand les femmes font des austérités, leur cœur devient dur. C'est faux. Montrez-moi dans le Shrimad Bhagavatam. Montrez. C'est l'inverse. C'est une fausse conférence qu'elle a entendue. Qui a dit ça? Est-ce que Devahuti, qui a fait ses austérités, son cœur est devenu dur? Est-ce que Kunti Devi est devenu dur? Qui est devenu dur? C'est montrez-moi. Sita Devi, elle est devenue dure par l'austérité? Montrez-moi un exemple dans les Shastras. C'est ça, en fait, le problème. Quand il y a des faux gourous qui apparaissent et qui commencent à prêcher n'importe quoi, et le disciple sans qualification dit, mais attends, Maharaj, mais regarde, si t'as dévié et l'autre, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas personne qualifiée pour arrêter. Et, ça, et après, ces disciples deviennent des gourous et ils commencent à lancer la même chose. Et ça se répand. Et on pense que si la femme fait des austérités, son cœur devient dur. Vous savez que Vasudeva et Devaki, dans ses vies précédentes, ils étaient des austères, des ascètes hyper, hyper durs, à tel point que leur austérité était tellement forte que la nature les obéissait. Ils pouvaient provoquer la pluie, le tremblement de terre, refroidir la température sur la terre ou réchauffer. Mais ils n'ont pas devenu durs. Le cœur de Devaki n'est pas devenu dur. Tu comprends de quoi je parle? C'est ça le problème. C'est que on a des demi-gourous. Le problème, c'est ça. Excusez-moi, vous pensez que je suis trop attaché à critiquer quelqu'un. Je critique personne, mais c'est le fait. C'est un phénomène qu'il y a des gourous vite fait. Vous voyez? Et qui prêche quelque chose sur les conclusions en moitié compris ou pas compris, etc. Vous comprenez? Et ça se répand. Autre truc aussi, très répandu. Tout le monde dit, nous sommes venus dans ce monde matériel parce qu'on a envié Krishna. Ok, c'est possible. Est-ce que c'est une seule raison? Oui. Comment c'est possible? Nous sommes des millions, des millions, des millions d'êtres vivants. Tout le monde ne peut pas venir par la même cause. Si c'était comme ça, Sri Chaitanya Mahaprabhu dans Shikshashtaka dirait, je suis venu dans ce monde matériel parce que j'ai envie à Krishna. Il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Donc il y a plein de trucs comme ça qui se répand, et les gens répètent sans comprendre, et nous devenons une secte. Une secte dans le sens que sans comprendre, on répète ce qu'on nous dit à répéter, c'est tout. Non, il faut comprendre, il faut rentrer dans le sujet pour comprendre qu'est-ce que c'est ça, pourquoi c'est comme ça. Toujours poser des questions, toujours. Que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, vous savez que le numéro un que disciple doit faire, la première chose que disciple doit faire, c'est poser des questions.
Dans la Bhagavad Gita, c'est écrit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. En fait, tout ce que je vous dis, en fait, ça ne vient pas de moi. Je peux tout montrer dans les Shastras. Quand je dis telle ou telle chose, je vous juste transmets ce qui est dans les Shastras. C'est tout. Okay? Et la première chose, qu'est-ce qu'il dit quand tu trouves un maître spirituel, qu'est-ce que tu dois faire? Humblement et poser des questions. Voilà. Si tu ne poses pas des questions, comment tu vas avancer dans la vie spirituelle? Et pour poser des questions, il faut faire une pratique. Quand tu ne pratiques pas, il n'y a pas de questions. Tout va bien. Les questions apparaissent quand tu commences. Par exemple, vous n'avez jamais fait le halva, tout va bien, vous connaissez la recette. Un volume de ça, un volume de ça, et ça marche très bien parce que vous connaissez la recette. Mais vous n'avez jamais fait. À quel moment la question arrive? Quand vous mettez le sucre et tout colle. Après, vous commencez à gratter et ça brûle. Là, il y a des questions tout de suite. Pourquoi ça colle et pourquoi ça brûle? Pourquoi? Parce que vous avez commencé de faire. Okay? Si on commence à pratiquer, en fait, suivre les principes et les règles de Bhakti, il y a des questions qui apparaissent. Sinon, il n'y a pas de questions. Tout va bien. Mais des fois, quand on a des questions, on écoute une conférence, ça répond à nos questions. Pardon? Par exemple, des fois, ça arrive qu'on a des questions qui nous dérangent et après, on écoute une conférence et cette conférence répond à la question que j'avais. Bah, oui, c'est très bien. On ne pose pas quand même. Oui, mais tu as posé, pas verbalement, mais tu avais la question dans ta tête, tu l'as posée. Parce que tu ne pensais pas que c'est cette conférence ou cette conférencière qui va répondre. Et bien, c'est comme ça. Ok, Hare Krishna, chers dévotis, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.